Bonjour et bienvenue sur le site francophone de Khan Academy. Le but de cette vidéo est de montrer les bases de l'apprentissage sur le site. Quand on crée un compte, la première chose que l'on voit est une liste de sujets. Il faut choisir une matière, et on peut évidemment retrouver cette liste à n'importe quel moment. On peut également choisir un niveau. Imaginons que je veuille étudier l'arithmétique. J'accède ici à une série de possibilités. La première, c'est l'onglet « Explorer ». Sur cet onglet, j'ai accès à toutes les parties et toutes les sous-parties d'un sujet. Le deuxième onglet est l'onglet « Classe ». Le sujet ici sera classé par niveau. En arithmétique, il n'y en a qu'un seul. La troisième possibilité est l'onglet « S'entraîner ». J'ai le choix entre commencer à faire des exercices qui concernent tout le sujet ou alors de ne faire des exercices qui ne concernent qu'une partie, comme l'addition, la multiplication, les nombres relatifs, etc. Le dernier onglet est l'onglet « Mission ». Cette mission aide Khan Academy à déterminer ce qui est déjà connu et ce qui nécessite un apprentissage. Lorsque l'on répond correctement à une question, on gagne des points d'énergie et on débloque des avatars. Si on tombe sur un problème que l'on n'est pas sûr de pouvoir résoudre, il ne faut pas hésiter à regarder une vidéo ou demander un indice. Attention, en utilisant un indice, Khan Academy considérera la question comme n'étant pas maîtrisée et la réponse sera donc marquée comme fausse. Quand l'échauffement est fini, on débloque le tableau de bord d'apprentissage. En fonction du niveau, Khan Academy recommandera des sujets sur lesquels s'entraîner. Régulièrement, s'affichent des défis de maîtrise qui permettent de passer au niveau supérieur. Chaque défi de maîtrise comprend des problèmes sur une variété de compétences. Sur la gauche, on peut voir la mission sur laquelle on est en train de travailler et les compétences que l'on a maîtrisées, pratiquées ou que nous n'avons pas encore commencé. En haut à droite, on retrouve les notifications. Le tableau de bord d'apprentissage est un bon moyen d'avoir une vue d'ensemble personnelle sur les sujets que l'on a vus. Mais si on cherche un aperçu rapide de tout le matériel disponible sur ce sujet, il faut cliquer ici. Enfin, cliquer sur l'icône Khan Academy ramènera toujours à sa page d'accueil où l'on peut voir les missions récentes.